D'abord, nous devons nous débarrasser de tout le bazar. Pourquoi il y a autant de choses inutiles ici? Je n'ai jamais pensé que mes pouvoirs seraient utiles quand je fais le ménage. C'est fait. Et je peux même déplacer les lits. Mais l'essentiel de se débarrasser du reste des petits débris. Oui, j'ai réussi à faire tout ça. Cool. Bon, quelle est la prochaine étape? Et c'est ton travail. J'adorerais. Je suis sur le point de planter des graines tout aussi magiques dans ce sol magique. Et je vais tout arroser avec de l'eau. En fait, c'est vraiment magique aussi. Cool! Maintenant, il y aura un lit! Regardez comme c'est joli! Et c'est pratique, ça! Cool! Mais un seul lit ne sera pas suffisant pour nous. Nous devons en faire un deuxième. Ouais, mais ce pouvoir, ardent, pourrons le faire. C'est fait. Maintenant, on a deux lits cool. Les filles, il est temps de commencer à dessiner. C'est vraiment très apaisant. Non, mais en fait, ça me dérange. Horrible. Oui, non, mais n'importe quoi. Oh, j'espère que la peinture pourra bien sauver tout ça. J'espère que ça a bien marché. Oh, j'adore cette couleur. Les filles, il ne faut pas oublier une échelle. Oui, ça a bien besoin de tout temps. Oui. Mais c'est beaucoup plus cool de grimper avec des pouvoirs. Comme ça. Au fait, il faut pas oublier de dessiner le deuxième étage. Oh, j'adore notre lit. Je suis d'accord. Les filles, on a tout réussi. Oui. Maintenant, nous devons nous occuper du confort. Ou plutôt faire en sorte que le lit soit incroyablement doux. En plus, ça ne ferait pas de mal de la décorer avec des plantes. C'est si joli. Après cela, tout le monde devrait comprendre pourquoi les plantes sont les meilleurs amis de l'homme. Non seulement elles peuvent faire une décoration cool pour n'importe quoi, mais elles peuvent aussi faire de vrais murs pour que personne ne te dérange pendant que tu dors. C'est tellement plus pratique. Lily, t'as presque terminé. Bon, il est temps pour moi pour que je fasse ma partie du lit. Il n'a rien de plus douillé que le nuage. Il faut juste le répartir sur le périmètre. Oui, et ajouter un bel éclairage. Quelle beauté! C'est comme si j'étais assise sur un vrai nuage. J'adore, c'est de la vraie magie. J'ai aussi toutes sortes de plaids et de coussins sur moi. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. Oui, je sais. Ça serait parfait avec une piscine. Lucie, tu veux m'aider? J'ai besoin de toi. Facile, je peux tout gonfler. Je peux tout faire pour un ami. Merci beaucoup. Cool! Oui, tellement vite! Il ne reste plus que le remplir d'eau. Génial! Maintenant, mon lit est aussi devenu amusant. Il n'y a rien de plus cool que d'être dans la piscine. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi.
Et je pense que c'est encore mieux quand il y a des canards si mignons autour. Oh, je m'ennuie. Lucie, j'ai encore besoin de ton aide. Sèche-moi, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. Oui, non, ne me dérange pas. Il n'y a rien de plus douillé qu'un plaid rouge et des oreillers rouges. Pendant que je décourais du lit, j'ai eu aussi très faim. Et je crois que je sais ce que je vais manger pour le déjeuner aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'un feu pour commencer. C'est fait. Et maintenant, je vais utiliser ce feu pour me faire les plus délicieux marshmallows. Oh oui, j'adore les guimauves. Les filles, souhaitez-moi un bon appétit. Il manque quelque chose. Oui, il faut ajouter quelques détails. Les fleurs, par exemple. Oui, ils s'adaptent parfaitement à mon intérieur. Il faut aussi ajouter de la lumière. Oh, je commence à avoir faim. Est-ce que cela dérangerait quelqu'un qu'un orange pousse à côté de nos lits? Oh, wow! Oui, je suis tout à fait d'accord. Cool! J'adore les oranges. De plus, c'est un excellent choix pour un déjeuner. Je ne mange que des aliments à base de plantes. Je suis d'accord avec les détails, me manquent aussi. Je pense que des rideaux rouges seraient parfaits. Cool! Maintenant, ça me va vraiment bien. C'est si confortable et si beau. J'ai juste besoin d'ajouter un peu de lumière. Maintenant, c'est parfait. Oh, qu'est-ce qui me manque, moi? Mais quoi? Ah, c'est vrai! Eh bien, mon poisson, je suis sur le point de te préparer un severo steak. T'inquiète pas, je vais pas te donner un somaniac. Hé, hey, où est le poisson? Qu'est-ce que je vais manger, moi? Maintenant, j'ai un ami. Je vais l'appeler. Nemo! Mon petit monde aquatique sera beaucoup plus calme avec lui. Quoi ajouter? C'est vrai! Je vais utiliser un peu d'isolation avec un rideau. De cette façon, je peux créer un sentiment d'intimité totale. Et bien sûr, un peu de lumière ne ferait pas de mal. Génial! Et mes amis, les nuages me manquent! Mais je vais réparer cela rapidement. Et ce n'est pas tout. Un arc-en-ciel s'adapterait parfaitement après les nuages. Mais qui n'aime pas les arcs-en-ciel? Cette personne n'existe tout simplement pas. C'est si joli. Je pourrais l'admirer pour toujours. Les filles, vous aviez raison. Je pourrais utiliser les rideaux. Yeah! Je peux les utiliser pour donner l'impression que je suis vraiment assise sur des nuages dans le ciel. Il ne reste plus qu'à ajouter de la lumière. Alors, je pense que c'est magnifique ça. Les filles, nous avons tous fini maintenant. Organisons une discothèque pour fêter tout ça. Oui, on est vraiment intelligente. Oui, je suis d'accord. Je vais apporter quelque chose. Une seconde. J'ai fait un super gâteau. Il ne reste plus qu'à ajouter de la crème. Wow! Le gâteau! C'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais c'est quoi cette journée? Où va toute ma nourriture? Les filles, j'ai apporté du gâteau!
Dépêchons-nous de le manger pour célébrer nos nouvelles maisons. Merci. Oh oui, j'adore. Oh, génial ça. C'est vraiment très bon. Mais une seule bouchée ne suffit pas. On sait bien que les liens n'ont plus ça. Hey, Jess! Comment tu oses voler mon gâteau? Je pensais que nous n'allons pas nous battre. Mais tu m'as forcé. Comment t'as pu, voleuse? T'as tout gâché. Non, tu n'as pas honte de toi. Oh, c'est tout, c'est tout. Non, t'inquiète. Bah, où je dois commencer? Oh, je sais, je dois peindre ma maison en rouge. Heureusement que j'ai une éponge spéciale pour ça. Ces empreintes ressemblent à des briques. Ouais, je vais avoir le design le plus cool de tous les temps. Les filles vont être jalouses. Il ne reste plus qu'un peu de travail. Génial. Alors, regardez. Ma maison est aussi parfaite que moi. Oh, j'ai complètement oublié d'ajouter du décor. Comme dans mon jeu. Je vais décorer ma maison avec de l'herbe sur le pourtour. Attendez, une fenêtre ronde, ce n'est pas mon style. Je préfère les fenêtres carrées. Sympa! Et c'est ici que se trouvera le deuxième fenêtre. Quelques détails. Et ma maison brille au soleil. C'est génial! Attendez, où est mon toit? Il est encore blanc? Non, ce n'est pas bon! Je vais le réparer avec ma super tronçonneuse! Oh, non mais, c'est chaud! Mais j'ai pas encore fini! C'est mieux ça! Maintenant, nous pouvons faire un toit fantaisiste! La couleur des vagues de la mer va très bien avec! Et maintenant, attention, je vais utiliser des autocollants! Ah, qu'est-ce qu'il racontait? Est-ce que c'est un dessin sympa? Ouais, c'est une meilleure idée! Maintenant, je vais ajouter des lanternes. Et la cheminée en briques sur le toit. Je vous présente la maison de rêve! Waouh! On dirait que Ken a fait de son mieux. Il va falloir que je trouve quelque chose moi aussi. Tout d'abord, j'aurai besoin d'un costume d'artiste. Super! Et maintenant, je vais choisir la couleur. Je pense que je vais choisir cette nuance. Barbie, on travaille! Super! Maintenant, il faut peindre les fenêtres. Je vais peindre des cœurs dessus. Quelque chose de mignon! Waouh! Et pour le toit, ça soit de la même couleur. C'est magnifique! Wow. Oh, j'adore! Mais il manque quelque chose! Ah oui, c'est vrai! J'ai oublié le décor, le terrain! Voilà, c'est le costume de jardinière! J'espère que je vais avoir quelque chose de beau! Il faut juste mettre un peu de l'eau. Tadam! Waouh! Quelle belle fleur! J'adore! Ça va être toujours sympa sur mon terrain. C'est mignon et c'est joli. Il ne reste plus que la décorer le toit. Ça va être vraiment génial. Oh non, je tombe! Tout va bien? Oh, je suis bien. Voilà, je ne suis pas sale du tout. Oui, la maison est parfaite. Oh, c'est parfait. Non, mais t'es sérieuse? Maintenant, je vais montrer ce que ce mot signifie en fait. La maison doit être noire. Et il doit effrayer des ennemis. Non mais... Oh, cache-toi, Barbie! Mon Dieu! Waouh! Oh, des lâches! Vous êtes là? Maintenant, j'ai besoin d'un livre. Je vais invoquer des zombies. Oui, je vous invoque des zombies. À moi, serviteur des ténèbres.
Qui m'a convoqué? J'arrive, maîtresse. Quels sont vos ordres? Mets ton casque de protection et tu seras chargée de décorer la maison. Je vous remercie de votre sollicitude, maîtresse. Comme vous voudrez, mes membres n'ont pas tenu une perceuse depuis la dernière fois. Il y aura un candélabre ici. Qu'en pensez-vous, maîtresse? À gauche. À droite. Super. Je vous ai compris. C'est fait. Bien joué. Maintenant, tu peux manger un œil. Oui, merci. Je les adore. Miam. Pas mal. Il faut ajouter un peu de décor. Allez-y, les chauves-souris. Décorez ces murs. Cool. Tout va bien pour moi. Il ne reste pour la lumière. Ah oui, la chose. Merci beaucoup. Ça, c'était une bonne idée. Oui, ma maison, c'est la plus géniale. Cette herbe verte ne va nulle part. Il faut que j'embellisse le terrain avec ma potion. Ça, c'est tout autre chose. De la terre pourrie, des arbres flétris et un cimetière avec des tombes. Quoi de mieux? Parfait. La touche finale, c'est un chemin décoré de bougies. Maintenant, je suis contente. Ce sont de vraies tombes! Waouh! Les étrangers ne sont pas autorisés entre eux. Oh non, c'est quoi ça? Ken, tu m'as fait peur! Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. Ce sont tous les crânes de Vance. Je vais aller à mon poste. Ce type est tellement drôle. Oh, il est tellement effrayant, ce décor. Mais bon. Oh, je vais trouver autre chose. Je sais. Qu'il y ait du sable ici, c'est doux. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je vais chercher d'autres. Et encore. Maintenant, c'est parfait. Alors, maintenant, c'est le temps pour choisir des arbres. Ça va pas. Ça va pas. Oh, ça, j'aime beaucoup les palmas. Cool. Oui, et il manque une chaise longue. Et bien sûr, un costume approprié. Alors, est-ce que je suis bien et jolie? Je pense que c'est parfait. Tu me dois un peu de coco? Oh, j'adore ce noix de coco! J'adore le lait de coco en plus! C'est délicieux! Ah oui, j'avais oublié la clôture! La couleur rose me va bien! Maintenant, je peux bien être relaxée! Oui, j'adore! Wow! Ça, c'est du design! Je suis décoré mon terrain! Allons-y! Ça, c'est trop cool! Oh, oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais sur ma propriété? J'ai compris. Bon, c'est bon. Oui! Oh! Non, mais en fait, ça me fait pas peur du tout! Oh, salut mouton, viens ici! Non, mais allez! Voilà, c'est ton nouvel ami! Veuillez les uns sur les autres! Oh! Le buisson est envahi par la végétation, je dois le tailler! Heureusement que j'ai un sécateur! Voilà! J'adore! Il me reste plus qu'à faire quelque chose de cool! Voilà, alors les amis de Wednesday vont... Parmer! Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'arrive pas à m'y battuer. Mais j'ai fait de mon mieux. Oui! Wednesday, allez, dansons! J'ai trouvé une idée géniale. Il est temps de décorer ma maison de l'intérieur. Anneau magique, vas-y, nettoie. Fais en sorte que tout ce qui est blanc devienne noir.
bon garçon. Retourne dans la boîte. Des portraits des parents seraient bien. La mère. Le père. L'oncle. Et le frère. Il manque quelque chose. Ah oui, j'ai oublié la chose. Je dirais son égo avec ses griffes et je mettrai un coffre pour y ranger mon livre de sorts. Et ses crânes mettront de l'ambiance pour les rituels. Ne manque plus qu'une table de nuit dans un coin avec une lampe sur un support en forme de pattes de dinosaure. En fait, c'est ma mamie qui m'a offert tout cela. Ouais, je vous le dis. Enfin, nous pouvons passer aux choses sérieuses. J'appelle les araignées. Demande-leur de faire une toile sur le mur. La lumière. Bravo. Mais c'est inconfortable de s'asseoir comme ça. Une chaise molle ne me fera pas autant de mal.